grand temps en baisse ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous et bon mardi. On commence la journée avec un temps couvert à variable, une température extérieure à 18 degrés, une température de l'eau à la baisse à un petit 20 degrés. Le marais qui est elle en train de finir de monter, le plein brut à 7h15 avec des coefficients de grande marée 102. Sur cette fin du montant, le vent est onshore avec un secteur ouest-nord-ouest. Il est modéré à soutenu 3 à 4 beaufort. Plan d'eau, clapot au bord, moutonneux sur le large. Des phases de vagues qui sont ridées et une houle qui est moyenne. 8 secondes de période orientée ouest-nord-ouest, multipique et agitée en atténuation. 50 à 80 cm en déferlement régulier. 1 mètre sur la majorité des séries. De temps à autre, 1,20 m. Bon, marée haute, gros couèvre, des wagons de pique désordonnés, hachés par le vent, de qualité médiocre, guère motivant, guère encourageant. Personne à l'eau, personne qui check, mais il y a un créneau pour les très motivés ce matin avec la marée qui haute. C'est un des moments où ça ouvre le plus. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle en lente atténuation, du vent qui va s'orienter a priori un peu plus à l'ouest et se renforcer d'un cran. La bouée cachant est quand même bien à la baisse, à 1,10 m et 5 secondes. Donc à 9h, 1 mètre, 1,20 m ou ouest-nord-ouest, 8 secondes de période vent, nord-ouest, 3 à 4 beaufort. À 13h, 1 mètre ou ouest-nord-ouest, 8 secondes de période vent, ouest-nord-ouest à 4 beaufort. Et à 17h, 80 cm à 1 mètre ou ouest-nord-ouest, 8 secondes de période vent, ouest-nord-ouest, 4 beaufort. Encore du vent toute la journée, des vagues multipiques et agitées. Pour les surfeurs les plus motivés, prochain point à 7h30, à tout à l'heure, merci.